On est toujours dans la taverne. Le troisième deck le plus fort du monde. Je ne sais pas ce que c'est. J'imanise. D'accord. Ok, je peux imaniser aussi, mais je pense que c'est un démoniste zoo. Un truc comme ça. Donc, on va tester. On teste. Je vous propose de voir ce que ça donne. Et puis ensuite, on regarde, d'accord? Hein? Bon. Allez. Hutter! Je combattrai avec honneur. Dinosaure. Alors, j'imagine que c'est un zoo. C'est un démo, c'est tout ce que je sais. Exactement. Un rhénologue. Non, c'est pas un rhénologue. En fait, il y avait rhénologue dans les decks forts. Mais je me suis dit, j'arriverai pas à jouer à un truc avec Reno Jackson, ça va être terrible. Donc voilà. Alors, je pense que c'est peut-être le deck qui va le plus me correspondre. Parce que c'est peut-être la façon de jouer que j'aime le plus. C'est-à-dire poser le plus de serviteurs possible, essayer d'aller au contact et au combat. Et voilà. Ah, il y a un mec qui a mis. Ah, voilà un vrai deck. Un vrai deck. Bon, il choisit ses cartes, le mec en face. Ou bien. Ça a l'air d'être du zoo. J'aime bien. Les gens sur le chat qui analysent comme moi le deck, tu sais. Non, ça m'a l'air de. Ça m'a tout l'air d'être du zoo. Ça m'en a tout l'air. Ça m'en a tout l'air. Ohé. Ah, du cadeau qui vient de m'écrire en SMS. Ça va être tout juste pour moi d'arriver à l'heure. J'ai mis je crois en toi. Crois-le. Fukano est quelqu'un de très occupé, vous le savez. Alors. Voilà. Ah oui. Acte Blif s'abonne à la Zerator Télévision. Une seconde. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? On va faire ça et ensuite on lui fera une puissance accablante. C'est évident. À moins qu'on fasse direct. C'est quoi ça? Chaque fois qu'un Murloc est invoqué, il y a plus d'attaque. Donc on aura peut-être comment ça s'appelle? Un deck Murloc Paladin en face? Je sais pas. En même temps je dis ça mais j'ai aucune idée de ce qu'on doit faire si jamais il y a ça en face. Vous voyez, genre, c'est pas comme si c'était le cas. Bon, continuons. Paladin Secret. Secret, yeah. Donc là, œuf de Nérubien, into puissance accablante. Ah non, surtout pas into puissance accablante. Oh, je failli faire de la connerie là. Alors là, peut-être qu'on pourrait faire. Oh, ça va être génial. Mais je connais pas les secrets. C'est quoi l'histoire? Ah ouais. J'ai bien fait. Comme ça elle meurt. Mais là on peut faire puissance accablante sur deux types. Comme ça on peut go sur lui. Sauf s'il refait un secret. Il joue pas la Murloc mais le même. Murloc secret. Mix paladin secret Murloc new meta. Ah. Bon, du calme. Ce soir c'est nouvelle map sur Minecraft et Fukano évidemment. J'espère qu'il en aura une. Laissez-moi réfléchir. Bon, je sais pas ce que ça va donner cette histoire. Cri de guerre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le truc pour avoir la provocation. Oh, cela dit, est-ce qu'on... On pourrait faire, honnêtement... Non, mais ça, il faut que je le fasse sur ça. Et après, on mettra le garde-paix de l'Aldor sur le machin. Tac! Sois pas deg! Alors maintenant. Peut-être qu'on va. J'ai envie de trade ça en fait. La victoire nous appartient. Mais oui! Le meilleur deck du monde. Toujours Argus sur l'œuf, Zera. Ouais. Mais oui. On a gagné 4-10. Ouais. C'est à 20h, soit Nep. Pour celui qui, toi qui viens d'arriver sur le chat. Mais oui. 4-10. Le place qu'il a mis au fond. Qu'on
Vati22, s'abonne à Lazare Attor TV. Bienvenue à toi, Vati22, merci beaucoup pour ton sub. Alors, là on va enlever ça. Bien! Génial! On est content. Allons-y. Oh, on a deux œufs. Waouh! Oh, une puissance! Oh là 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 là. Eh, j'ai presque envie de te massacrer avec cette tronche. Non, parce que j'aurais dû mettre la provocation, j'imagine, ok. Mais c'est drôle de mettre ça et au prochain tour d'avoir un 4-4. C'est drôle. Si, si, c'est drôle. À moins qu'on lui mette juste un plus 2 et on lui défonce. Ça provoque. Plus 2 d'attaque, ça lui donne. Ouais. Franchement, ouais. Non, franchement, jouons la cool. C'est-à-dire que, on va mettre la provoque, tranquille. Sergent grossier, tranquille. Tranquille, bam, le bouclier divin, tranquille. On y va tranquille. On y va méga tranquille, d'accord. Ah, c'est que pour ce tour. J'avais oublié. C'est... Oh, le chat va... Oh, je vais prendre 2 mois de chat. Non, je vais prendre 15 minutes de chat, là. Oh. Et je suis désolé, les viewers, je savais pas. Voilà. Pardon. Pardon. Je savais pas. Subissez mon courroux. Oh bah, tant pis. Oh, je vais prendre 15 minutes de chat. Bon, écoutez, on trouvera... On va trouver un autre moyen. On lui mettra le garde-paix de l'Aldor. On lui mettra le garde-paix de l'Aldor, d'accord. Pardon. Pardon. C'est bon, on lui mettra un garde-paix de l'Aldor. On va le piocher au prochain tour. On sera top deck puisqu'il coûte 4 de mana. Ça va être formidable. Regardez, garde-paix de l'Aldor. Voilà, sergent grossier, excellent. C'est bon. C'est bon. Tac. Un autre machin. C'est bon. C'est bon. Ça a juste ralenti un peu le process et le move. Mais ça va. On est content. Ça, on garde pour le garde-paix de l'Aldor. On a dit puissance accablante, on garde pour les trucs relous. Genre là, on est capable de mettre par exemple 8 à cette personne. Ce Nérubien. Je pense qu'il a perdu, je vais dire bien joué. Bien joué. Argus, pas garde-paix. Garde-paix, garde Argus. Reprise Argus. Bon, j'en sais rien. En tout cas... Le truc qui donne provocation, on le garde pour ça, ok. Le... Vous avez compris. Un défenseur d'Argus, pas le garde-paix, ouais, vous avez compris, c'est pareil. Faites pas les enculeurs de mouche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde, ça. Et si on mettait ça? Mettez cette pomme sur votre tête. Subissez mon courroux. Vas-y, alors tu sais quoi? Tentons-le. Allez. Quoi? Oh, je suis deg comme le jour. Deg comme le jour. Je vais pas quand même trade ça et ça avec un truc à 1 alors que j'ai un jongleur de cut. Vous feriez quoi à ma place? Je sais ce que vous feriez à ma place. Non, j'allais dire puissance accablante sur l'œuf, on attaque ça. Je me demande. Je fais quoi? Je fais quoi là? Je fais quoi? Oh, j'ai pas eu de chance. Je suis deg. Je fais quoi? Vite! La cordelette! Puissance accablante sur œuf et trade le totem. Quoi? Hein? En 2 d'attaque. Trade le totem avec le truc. Puissance accablante et trade le totem. Oh, allez, allez. On va faire comme ça. Voilà! J'avais oublié que ça invoquerait un truc qui allait tuer. J'avais oublié. Très bon plays le chat. Oh, bien. Là, là, vraiment, vous m'avez impressionné. Inflige 5 points de dégâts, surcharge 2. Nul. Il a perdu. Pourquoi il quitte pas? Il a perdu. Allez, bam, encore de l'invocation, de la pioche. On attaque dans ta gueule encore. Éruption de Diablotin, on attaque. Pas du tout. C'est la fin. C'est quoi? Inflige 2 à 4 points de dégâts à un serviteur. Invoque un Diablotin 1-1 pour chaque point de dégâts infligé. Pour mon anime, je te file ma thune. Tu penseras à lever ton verre pour moi à l'occasion. Zephénix. Nous levons tous nos bouteilles d'eau. Et nous buvons tous. À l'aimable
c'est Phoenix, chantons pour lui quelque chose. Ah, que son entretien est doux, qu'il a de mérité de gloire. Il aime à rire, il aime à boire. C'était de la merde, c'est ce que je veux faire. À boire. Il aime à chanter comme nous. Il aime à rire, il aime à boire. C'était parfait, c'est comme nous. Il aime à rire, il aime à boire. Pardon. Krypkier découvre une carte à un cristal de mana. Génial. Sinistre Goldport, il est moche en tout cas. Ça, à mon avis, c'est un truc qui sort de Karazhan, non? Vous croyez pas que c'est un bibliothécaire de Karazhan? Qu'est-ce que vous en pensez? T'as perdu, c'est insupportable de jouer contre toi. Bien joué. J'en ai marre de tes totems serpents de mon cul. Ça, tu as... Oh, c'est insupportable. Bon, déchique-toi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour tester. Ah ouais. Gagne plus 4, 4 si vous avez 6 autres serviteurs. Excellent. Quoi? Ah, si on a 6 autres serviteurs dans la main? C'est de la merde. Ah, c'est de la grosse merde. Je suis deg. On va piocher un silence. Merde. Attends. Tous les serviteurs subissent des dégâts. Bon. Et je n'arrive pas à vider mon board. C'est quand même une plaie. C'est une plaie. Ouais, très bien. J'ai trade mon jongleur de couteau, j'ai fait ça. BAM! Non mais c'est énorme. On a gagné, il a 3 HP, mais bon. Oh, Ragnaros! Seigneur du feu! Fukano en face. Très thématisé cette soirée, bravo à lui. Bravo. Miss Létal. Miss Létal? Bah non, j'ai gagné. Les gens pensent que j'ai Miss Létal, alors que... En cliquant sur fin du tour, il n'y a pas eu un autre tour sur lequel j'ai gagné. Donc j'ai gagné au bon tour. Donc je ne vois pas pourquoi les gens disent Miss Létal alors que j'ai gagné à ce tour-là. Les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes. Et pour l'instant, eh bien je suis à 5 victoires sur 10. Toujours invaincu, évidemment. Donc voilà. Gul'dan contre Uther. On y va. Je combattrai avec honneur. Votre âme sera à moi. On n'a pas Miss Létal. Alors, qu'est-ce que... On garde tout. Non, ça me saoule. C'est un peu chiant. Bon, pff, allez. Allez, on garde. On va mettre la provoque cette fois, parce que le début est moins marrant. Alors, j'ai envie de faire ça. Parce que c'est marrant. Je peux faire ça, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. J'aime bien. Le feu de l'âme, c'est cool, mais ça enlève une carte. Moi, j'aime pas les sorts qui m'enlèvent des cartes à moi. J'ai l'impression de me faire trahir par mes propres cartes. C'est insupportable. Bah bon, tout ce genre de conneries, quoi. Et alors là, incroyable. Cri de guerre. On aurait évité de faire Bran tout de suite. Moi, je serais capable de faire un cri de guerre comme ça. On va éviter, vous savez quoi? Prenons le contrôle du board, on va éviter qu'il ait la moindre créature sur le terrain. Même si c'est pas le truc de mon deck, je vais essayer de jouer comme moi j'en ai envie, c'est-à-dire mal. Mais ça va le faire. En fait, pourquoi j'ai Bran dans mon truc alors que j'ai peu de créatures en cri de guerre finalement? Géant des mers, punaise. Ah ouais, bah oui, forcément géant des mers, tu m'étonnes. Ça compte chaque autre serviteur sur le champ de bataille. Ah oui, donc ça compte aussi le sien. Allez, on le laisse. Ça compte le sien, Bramar. On y va. 24 HP, on est à 27. On est content d'avoir mis le Diablotin des Flammes qui a tenu quand même pas mal de temps. C'est pas mal. On a eu une main de porc au départ. Le géant des mers tourne après, c'est validé. Là, il pourra rien me tuer. Il va pas. J'espère qu'il va pas suicider. Non, vas-y. C'est pas grave, on pioche. Non, ça invoque. Ça invoque. Putain. Les gens sont pas marrants. Ah, deux cris de guerre peut-être. Non. Bon bah allez hein. Même si j'aurais dû garder ça pour les deux œufs de Nérubien, j'ai envie qu'il abandonne avant qu'on ait l'œuf de Nérubien. Je pense qu'il est prêt d'abandonner là. Il doit être deg. Si justement le zoo c'est le deck où le board control est le plus important. D'accord. Bon, on est content alors. Ah, voyez, regardez ça. Ah, le caca. Ah,
Oreb! Dans la presse! Dans la presse! Ouais, dans la presse. Incroyable. Là, il est deck parce qu'avec Oreb, tous ses sorts coûtent 1 milliard. Bien joué! Bien joué! Merci. Merci. Mettez cette pomme sur votre tête! Oh le jongleur! Non, nul. Oh, ça sent le géant des mers! Ça sent le géant des mers! Ça sent le géant des mers! Mer! Là, il va trade quoi? Il va trade quoi avec ça? Il va trade ça? Non, ça évidemment. Non, ça! Faudra bien le trade un jour de toute façon, ce truc là. Et où autre? Qu'est-ce qui. Pourquoi il m'a donné une attaque à moi? Bizarre, qu'est-ce qu'il fout? Il m'a pas donné un d'attaque sur lui là? Putain, le géant des mers, 1 de mana, vous vous rendez compte? Vas-y! Oh, c'est magnifique! C'est magnifique! Regarde ça! T'es pas trop déçu! Ah, t'es pas trop déçu, Jean-Michel! Bon. Ah, formidable. Ah. Bon. Gul'dan contre Uther. Ouais, Uther. Ça va, Uther. On est trop des potes, Uther. J'aime pas ce début, ça me saoule. On enlève tout, on recommence. Allez. Nul, bien. Bon, ça va. Docteur Boom, nul. Nul. 6 sur 10 pour niveau des victoires, on n'arrivera pas à 10 je pense. Go! Pourquoi ce tabel? Alors Marcheur du Vide, aussi appelé le gros bleu, par mes amis qui jouaient démo sur World of Warcraft Vanilla, puisque c'était évidemment le pet qui servait à tanker chez les démos, aussi appelé le gros bleu, qui avait un nom aléatoire, un nom de démon aléatoire d'ailleurs, très intéressant de surcroît. Hop, t'es deg parce que si tu trades, il meurt. Allez, vas-y, attaque. C'est un saut de flaque. Le saut de flaque murloc. Oh putain, ça sent les murlocs à plein nez. À plein nez. Mais pourquoi t'as trade comme ça? Ok. Du calme. Alors là, il va falloir être smart. Bon, je pense qu'on va piocher. Enlevons-lui les milliers de murlocs. Parce que s'il arrive à avoir trop de murlocs. Ouais, ça va partir en couille. S'il a trop de murlocs. Ah, il trade avec ses murlocs. Bon, ok. Moi, je suis d'accord. Pas de soucis, mec. Donc là, on va faire ça. Pas oui. T'es sérieux? Vas-y, ça me saoule. Sérieux là? Le jongleur! On a quand même fait un board rigolo. Ah non, c'est pas grave, il peut pas attaquer tout de suite. Ah si, il peut, non? Ah ouais, il a charge, c'est l'enfer. C'est bien, il trade avant, c'est bien. Le meilleur coup. Je pouvais pas faire ça, into machin. Bon, on a repris le contrôle. Bien joué! Mais pourquoi s'il a des murlocs qui me trade mon board? C'est bizarre, non? Merci. Oh putain, ça c'est chiant. Non, ça c'est chiant. Insupportable mon truc. Pourquoi j'ai que des trucs qui sont nuls là? J'ai que des trucs nuls. Allez, on va mettre ça. Quoique, cri de guerre confère 2 d'attaque. Oh oui! Oh mais oui! Trop marrant, il arrive avec une liane. Sacré Bran, hein. Safari de Nezinguari, pas du tout, c'est Emmet. Emmet Nezinguari, pas du tout Bran l'explorateur, bien sûr, des temps modernes. Alors qu'est-ce que tu fais? Cri de guerre, chaque joueur pioche 2 cartes. Ça c'est bien ça, c'est excellent pour moi. C'est de la bombe atomique. Ça c'est pas un cri de guerre. Non, on va faire le cri de guerre sur lui là, je pense. Ça va être cool. Ah ouais, le chasseur de gros gibier, bon, c'est vraiment une carte de défense. Oh putain! Non! Oh non! Oh mon dieu! Dire que j'ai failli rater ça! Tu es de l'histoire. Bien joué.
MDR, c'est archi-loose. Oh, c'est archi-loose. C'est archi-loose. C'est archi-archi-loose. Oh, j'ai fait un truc de ouf sans le savoir. Non, j'ai vu, j'ai pensé à Boom, j'ai fait. Oh, je peux mettre Dr. Boom. En fait, j'ai vu que je pouvais mettre Dr. Boom, j'ai fait. Mais attends, je peux mettre Dr. Boom. Après, j'ai lu la carte, j'ai fait. Mais c'est un cri de guerre. Oh, c'est archi-loose. Ah bon, ouais, c'est archi-loose. C'est archi-loose. Oh là là, là c'était vraiment, vraiment archi-loose. Y'a un mec sur le chat qui a dit « Non mais Zerator, c'est ton deck qui est fort, pas toi. » Mais ça, on le sait tous ça, hein, tu ne surprends personne en disant ça sur le chat. T'inquiète. Oh, c'est archi-loose. 7-10. 7 parties, 7 victoires. C'est archi-loose. Aïe, j'arrive pas à mettre ces lunettes-là. Tant pis, on va mettre celle-là. Oh, lui un. La lumière nous apportera la victoire. Votre âme sera à moi. Ah, on est content. On va garder ça, j'ai envie de garder ça. Puissance accablante. Non, j'aurais... Non, là, ce qui aurait été bien, c'est Sergent Grossier. Sergent Grossier. Quatrième abandon de la soirée, non? Bah normal en même temps. À moi, à moi. À moi. Je pioche un Sergent Grossier. Et prochain tour, Sergent Grossier into... Genre des merdes, la merde. Le Deus Ex Machina. Exactement, Starflord. Exactement. Jongleur. Eh, je le mets direct. Non, il est prêt, ça, il va me niquer. Non, il va me niquer, ça va m'énerver. On va mettre ça. Comme ça, s'il veut le silence, c'est lui qui voit. Il peut le faire direct. Moi, y'a pas de soucis. Moi, y'a pas de soucis. Franchement, y'a pas de soucis. Il veut me le silence, il l'élimine. On est fixé direct. Personne n'est content. Personne n'est pas content. Tu vois, y'a. Franchement, NP, mec. Tu peux y aller. Ah! Alors, ça, c'est bien si on arrive à le tuer vite. En te voyant mettre la troisième paire de lunettes, je viens seulement de voir que tu portes des lunettes roses. Lunettes roses. Lunettes roses. Hashtag DFG. Pas trop sûr de lui. Bon, allez, allez, j'ai envie. Hein. J'ai envie. Mettez cette pomme sur votre tête. Je le laisse pour que ça dure deux tours. Non, mais ça, c'est. Moi, j'aime pas ça aussi. Les cartes qui te trahissent et qui posent des trucs à tes adversaires. Les cartes qui buffent tes adversaires. Moi, ça me va pas. Je sais qu'il y a des cartes très fortes qui peuvent buffer tes adversaires. Hein. Ça, c'est bien. Enfin, non, je sais pas, mais j'imagine. Hein. Mais moi, ça me va pas. Moi, je suis pas satisfait quand je vois ça. En plus, avec cette carte-là, l'éruption de Diablotin, ça peut très vite partir en couille chez lui. Là, prochain tour, ça peut être un géant des mers. S'il pose une ou deux cartes, qui clean rien, ça peut très vite partir en couille. Sauf si, là, il fait Nova Sacré. Et là, c'est la méga merde. Allez. Menace. Votre âme va souffrir. Votre âme, calme-toi, Gul'dan, parce que... Ah. Ah. Il va buffer celle-là. Ah ouais. Vas-y, pose une carte. Pose une carte comme ça. Je mets Gorlash au tour d'après. Nice. 60 boules. Parce que j'ai pu payer mes billets de train 2€. Du coup, je compense ici. Bobby, mais c'est la folie. Cet homme paye ses billets de train 2€. Découvrez comment il fait sur les streams de Zerator. Par contre, faut faire gaffe à des dérocheurs. Ils ont fait une faute dans le pseudo d'un certain Shortugal. Ils ont mis un U, les amateurs. Je sais, Mars la menace, j'arrête pas de leur dire. C'est insupportable. Mais t'inquiète, on y travaille. Et voilà. Bon, fonce, 1, 2, 3, 4, 5. On n'a pas assez du tout. Je garde. Je garde comme ça. En fait, j'aurais peut-être pas dû poser Gorlash en vrai. En vrai, j'aurais peut-être dû mettre Marcheur du Vide into connexion. En vrai. Ça aurait fait au moins deux protections. Mais j'avais vraiment envie de mettre Gorlash. Et ouais. Et ouais, et ouais, et ouais. Alors là, je vois vraiment que dalle, par contre. Ouais, c'est cool. C'est cool, y'a pas de sous. Jongleur de couteau, bon, y'a un peu déçu, mais y'a pas de sous. Ouais. Je dois choisir vite.
Ouais. Bien ça. Et oui, c'est pour pas que je trade les deux cartes. Je comprends. Je comprends son choix, mais... Non, celle-là, c'était la mauvaise idée. Mauvaise idée. Et malheureusement... Le smiley qui lui dit. Vas-y, casse-toi, là. Oreb ! Non, je le poserai bien, mais non. Ah ! Cool ! Alors, on a quoi ? Formidablement merdique. On est dégoûté. On est dégoûté. On va faire ça, parce qu'on n'est pas content. La solution est simple, travailler pour la SNCF. Ah ouais. J'avoue, c'est bien ça. Ou avoir, je crois, avec un ami, tu peux, non ? Non, si t'as quelqu'un de ta famille, tu payes pas les billets. C'est comme Air France, où tu payes, je crois que tu payes 5% d'un billet. Je crois que c'est ça. Franchement, autant l'offrir. Non, c'est pour qu'il y ait des traces, je pense. Des traces. C'est... Alors. Mais nice, Bobby, t'as bien de la chance. Moi, je me rappelle quand j'étais en BTS, en alternance... Je voulais avoir une alternance à la SNCF pour plus payer mes billets de train. Donc j'avais candidaté à la SNCF. Parce que je prenais masse le train, j'aimais trop me balader en France à cette époque pour aller voir toutes sortes d'amis. Parce que c'est sûr que quand t'es sur le net, t'as beaucoup d'amis à travers la France. Je me disais, si je bosse à la SNCF en alternance et que je paye pas mes billets de train, ça va être trop bien, je vais sillonner les routes de France tout le temps. Enfin les routes, les voies. Les voies ferrées de France. Donc Mais du coup non. Choqué. Tu dois choisir vite. Et déçu. Bon, on est pas très bien dans cette game là. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce la première lose? Enfin. Enfin. Ah. Est-ce que tu feras des duels contre les viewers ou c'est vraiment trop compliqué à mettre en place? Non, c'est trop compliqué à mettre en place et ça n'a pas vraiment d'intérêt, Starflord. Donc voilà. Alors 4, 5, 6. Cueillir des cerises. Bon. I see you. Chaque fois que la personne est... Ah. Bon allez. Allons-y. Et oui, il était en puissance accablante, n'oubliez pas. N'oubliez pas, hein. Et oui, je me tiens, parce que si on fait juste ça... Tu fais comme ça avec ta tête, alors que si tu fais ça, c'est bon, elle tient, tu vois. Du coup, c'est bon. La mort ne me fait pas peur. Allez, fais-moi plaisir. Tu gères. Comme les Allemands. Allez, hop. Oui. On est tellement contents. Allez, hop. Bien joué, bah merci mec. J'ai bossé, hein. J'ai bossé pour ce move. M'énerve ça. Bon, il a toujours 30 HP, c'est bien beau tout ça, mais bon. C'est bien beau, mais bon, les prêtres au bout d'un moment. Ah, il a 18 cartes, j'ai 16 cartes. Prêtresse, oh quenaille. Bonsoir mon bon seigneur, je vous fais part de mon annonce. Ceci est mon dernier don avant une longue traversée de la comté. Eh bien Asphire, putain. Asphire, merci à toi. Bonne traversée de la comté. Et à bientôt du coup. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah. Ouais non. J'ai quand même envie de prendre ça. Et c'est parti, on lui inflige ses premiers points de dégâts, c'est formidable. À l'attaque. Alors ça c'est quoi déjà? Ouais c'est... Non. En vrai, j'ai pas un super late, mais bon. Sur-moi tes mots à l'oreille. Ouais, c'est ça, énorme. Ah non, on va être obligé de le two-shot. Chiant, ça. Un peu chiant. Pas grave, on va le laisser vous foncer dessus. Pourquoi cette... Ah, calme-toi. Non, c'est bon, ça coûte 7. Calme ta joie. Je vais le mettre là. Et après, je mettrai le défenseur d'Argus là. Parce que là, j'imagine qu'il va me clear un peu le board. Il est obligé au bout d'un moment. Ok, ok, ça marche, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire avec ça? Il va attaquer un 1-1, bien sûr. C'est ça qu'il va nous faire, parce qu'il est content. C'est vrai qu'on l'attaquera avec ça, il aura pioché deux cartes, mais bon, ça aura pris un petit peu de temps. D'accord. Hein? Quelqu'un est blessé. Vous piochez une carte chaque fois qu'un serviteur est soigné.
Bon, il va faire ça, bon. Non, mais c'est bien. Ah, bah oui, normal. Évident. C'est gratuit, tu payes juste la résa pour les enfants, femmes, hommes, mariés ou en combinage, et les grands-parents, et les grands-parents, parents. Bon, je repars dans l'angle, bonne soirée, bon live. Eh bien, merci pour ces indications sur le non-paiement des billets de la SNCF quand on travaille là-bas. Alors, maintenant, hop. Ensuite, hop. Maintenant. On s'en revient en même temps, tout le monde va crever. Marchez. Voilà. Hop et hop. Formidable. Bien joué, c'est foutu, hein. Allez, salut. A plus. En local area network. Hein. C'était marrant. Stop Zera, stop, c'est quoi ce trade? Bah quoi? On a vidé le board et on a plein de créatures, on est content? Douleur, c'est sur moi tes mots, alors... Mais l'important, c'est pas de bien jouer ou de mal jouer, c'est de gagner la game à la fin. Donc, c'est bon. Pourquoi t'as fait ça sur le marcheur? Je sais pas, j'ai fait trop de trucs à la fois, j'ai pas compris tout ce que j'ai fait moi-même. Il faut de la place pour Dr. Boom. 1, 2, 3. Non, je peux pas, j'ai pas de place. J'ai pas la place pour Dr. Boom. Dans la presse. Bon. On est content. Il va. Oh. On est content. Hein? 5 plus 2 plus 3, ça fait 8. Hein? Bienvenue bah à l'exposition. Ça fait 10. Bon, on s'emmerde dans cette game. On aimerait que t'avances. Comment on dit on s'emmerde? On dit menace. On s'emmerde au plus haut point. C'est quoi ça? Cri de guerre, découvre une carte avec râle d'agonie. On s'emmerde. Cette carte pue la merde. Allez, avance. Stalag. Putain, il a Stalag et Feugène. Ah non, avec râle d'agonie, donc il a eu celle-là. Putain, mais dis donc, ça va, tranquille. Tranquillement, ça va. Mais t'as pas l'autre, de toute façon. Donc aucun intérêt. Du cul. Bon. We got it. We got it. Il faut tuer toutes nos créatures. On peut pas en tuer une autre, c'est dommage. Tant pis. Tant pis, ça va, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Vous énervez pas. Dans la presse. C'est bon. Bien joué. Non, c'est toujours pas bon. J'avais la flemme d'attendre, on avait pas la place, tant pis. Trade into Bram, into Dr. Boom. On pouvait pas, il avait pas assez de créatures. Laissez-moi nul. Vous montrer une autre façon. Et si je tradais avec ça, ça invoquait d'autres trucs. Ou je pouvais pas. Tant pis. Il m'a volé Bram, dis donc. Il m'a détruit Boom, dis donc. Oh, dis donc, dis donc. Seulement deux bombes, je suis déception. Qu'est-ce que... Oh bah tiens, on va silence ça. Non, parce qu'on va la trade. Ouais, on va la trader. Mettez cette pomme sur votre tête. Oh quoi. Dans la presse. Hyper content, nul, les bombes à 2, nul, je pensais que ça allait faire 3, et j'allais pouvoir faire 3 et 3. Du coup c'est de la merde, j'aurais dû le faire là. Bref. Dans la presse. Bon, on y va, ça me saoule.
Les bombes, on attend un peu, elles sont à 2, elles sont contentes. Mais il a perdu 10 fois! Comment il peut gagner? Franchement, il va gagner là? Franchement, si je perds, je suis hyper content. Hyper pas content, pardon. Allez! C'est quoi ça? Prends 2 points de vie. Oh là là, quel emmerdement! Allez! Héros, avancez dans l'antre de la terreur! Offert un serviteur 2-4. C'est de la merde ça, c'est de la merde. Aucun intérêt, voilà, il y a une provoque. En plus t'as niqué ta carte alors que t'aurais pu trade avec ça d'abord. Bien. Tu joues bien là, tu me fais plaisir. Il est en train de gagner parce que là il me nique. Ah. Alors 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, on a que 13. Peut-être pas. Ah! Bah non. bah non. Non plus. Bon. De toute façon, posons tout. Posons tout pour essayer de faire des dégâts. Voilà. Attends, pas tout de suite. Voilà. Voyons ce qui reste. Bien, moins 4! Ça, on est content! Bon, allez. Au moins, on va avoir un petit truc là, un gnome lépreux là. Voilà. On va pas. Non, non, pas envie. Pas envie. Pas envie. On le fera plus tard. Bien joué. Quel emmerdement. La partie d'Hearthstone qui durera une heure. Oh, quel emmerdement. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh, il est 20h. Bah, je sais, mais regardez. Le gars en face. Le gars en face. Oh là là, il se re-heal à l'infini. Bon, c'est bon. T'as 7 de mana, mais je peux pas jouer ces deux cartes. C'est foutu. Ah, qu'on fait 2 machins pendant ce tour. Alors, peut-être qu'on va faire ça. J'ai pas envie qu'il prenne le contrôle du board, ça m'emmerde. Et puis ça, voilà. On aurait pu le faire sur les araignées, mais gardons-le pour. J'avais même pas compté en fait, j'attaquais en no-brain en mode je vais cliquer sur connexion. Enfin! Eh bah ben, quand même, c'est pas trop tôt! Niveau 19, yes! Ouais, mesdames et messieurs, une fois de plus, Internet a montré qu'il n'était pas nécessaire d'être fort Hearthstone et qu'il suffisait d'avoir un bon deck pour monter. Jusqu'au rang autour de 15. Attention, j'ai pas dit pour être légende et tout le cas. Donc formidable, on est content. La démonstration par l'expérience. Nous sommes à 8-0. Et voilà. On sera pas allé à 10 victoires. On sera pas allé jusque là. On aura fait 8 games en 1h30. Super, bravo. Merci. Tout de suite, c'est Minecraft avec Fugano. Dans 5 minutes, on arrive. Ne bougez pas. A tout de suite. Merci d'avoir été là. On revient.